Zebardi mon guigui. Attendez, je vais mettre en gros le Steam parce que je sais plus où j'en suis. Spell Lecker. T'es parti pour Spell Lecker. Je vais devenir tofu et qu'on va pouvoir mettre de la musique, je crois. Je sais plus. Je mettais de la musique dans Spell Lucky ou pas? Non, il y a de la musique dans le jeu. Non, il y a de la musique, je suis bête. Il n'y a pas besoin de mettre de la musique libre. Démarrage rapide. Oui! On en veut! Je suis avec le petit explorateur anglais là. Avec son casque, j'allais dire presque de colonialiste. Ça parle très mal. Les mines. Ah! Vous avez mauvaise mine. C'est parti. Alors, j'ai un petit peu joué en antenne hier soir pour me défouler et j'ai été lamentable. Vraiment. Donc, j'espère être mieux aujourd'hui. Oula. Caillou. Le caillou est souvent une assurance-vie dans Spell Lucky. Ah, elle m'appelle! La blonde et son cri irrésistible, tel le chant d'une sirène. Ah, viens ici, je ne dirai pas plus. Sinon, je vais dire des salacités. C'est ton tour. J'ai honte, ou pas. Allez-y. Là aussi, ils ont des fossiles. Il y a une belle tête de je sais pas quoi. Oula, il y avait un piège mazette, il était pas beau. Oui, tu peux descendre, ma grande, toute seule. Alors, l'araignée là, elle est mal passée. Et j'ai merdé. Merde. Bon, bah, au moins, j'aurais essayé. Lingot, à moi les richesses. Ou le piège de la muerte. Ah, surtout qu'il y a du matos en dessous. Merdoum, c'est quand j'ai besoin d'un caillou qu'il n'y en a plus. Et ma blonde, elle est perdue. Oh. Auprès de ma blonde. Si seulement. Non. Allez. Merde! C'est pas ce que je voulais faire! Ah, je suis un abruti. Eh ben, tant pis, la blonde va déclencher le piège d'elle-même. C'est dégueulasse. Allez hop, je me. Oh! Ah non, j'ai pas l'impression que le piège était. Ah, c'est pas grave. Je vais passer par là du coup. Oui! Du bateau! Oh, des cordes, dommage. Ah, c'est trop tentant de. Ouais, il y a trop de tunas. Il y a de la tunasse. J'en veux un max. De la tunasse. Je deviens trop cupide et je vais avoir des ennuis. Il y a une chauve-souris, ma blonde, et ce trou de souris. Ah. J'improvise totalement, hein, je suis déchaîné. Oui, les bombes! J'adore commettre des attentats. Vous n'avez rien entendu, c'est horrible. Non, j'aime bien tout faire péter. C'est plus correct de dire comme ça parce que sinon c'est horrible. C'est horrible. Oh, 13 mines! Des impremiés sous-sol, Coucou. c'est bon. Recoucou, une scène. Ah, c'est beau. C'est beau, il est bu, il est beau, il est bu, il est bu à beau. À plus, Aerostar! Merci, bisous, à plus, Aerostar. Merci d'être penché. Ibi. Ah! Ah, il y a un marchand ou quoi? Merde, bah alors. Bah. Oh, je voulais faire caméra vers le bas et je pouvais pas. Oui, alors attends, il y a un marchand, il vend des bombes. Et pas des petites. Un gros, une grosse boîte de 12. Comme les œufs. Nya. Comme les œufs! Attends, j'ai assez pour la boussole? Ah merde, dommage. Merde, merde, merde. Je crois que c'est foutu pour la bombe. Parce que vu la configuration des lieux. Ah non, elle est là la bombe. Toi, elle va mourir. Comment je rejoins la bombe là? Ah. Ah. Voilà. Très bien. Au moins, ça me fait amortisseur de chute.
Réfléchissons. Alors, on va se faire plaisir. Allez, dis-moi qu'il y a des bombes. Ah, des cordes. Non. C'est toujours cette prix. Ah, bonjour madame. Je viens vous sauver. C'est l'équipe de sauvetage de spéléologie qui est là. Paniquez pas, madame. Vous allez retrouver la lumière. Tiens, d'ailleurs, hop, je la dépose parce que... Je vais faire une gymnastique pour avoir les lingots du dessus. Voilà. Est-ce que je pète une bombe pour avoir de l'or? Là, ça vaut presque le coup de faire péter une bombe. Regardez-moi tout cet or. Hop là. Eh, 1000. Bon, ça fait cher de la bombe. Mais bon. Je suis cupide! C'est le démon de la bourse qui va m'emporter. Et une vie, parce que j'ai eu un zoubi. C'est ça qui est beau. Sous ça... Oh, la vilaine grosse araignée de la morte. Qui d'ailleurs, ça sert à rien d'aller là parce qu'il n'y a rien en dessous. J'aurais pas le joyau. Ça vaut pas le coup de sacrifier une corde. Ah non, c'est dégueulasse. Ben, je suis heureux d'avoir des bombes. Hein. Parce que la configuration de... Oula. Oula. Oulala. Magnifique. Merde. Dommage qu'il y a le piège abattant. La toile d'araignée. Magnifique. Magnify. Ouais, qui revienne le cobra de mes deux, là. Oh, le cobra. Burp. Burp. Oui. Il est moulu, le cobra. Merde. Ah, chauve-souris à la noix. Bah. Oh, il y a encore un marchand. J'ai des prix chez le machin. Burp. Je me pose des questions. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-haut? Parce que... Oh non, j'ai pas le temps d'explorer. Le fantôme va arriver. Ils vendent des bonbons. Ils vendent des bonbons. Ils vendent des bonbons. On va y aller. Je sais pas où est la blonde. Quelqu'un a vu la blonde? Ah, c'est un blondinet, il est en bas. Alors attends, l'araignée, il faut que je la gère. Hop là. Oui, j'aime vos bombes, monsieur. Non. Je vais pas acheter la boîte mystère, de toute façon, j'en ai pas les moyens. Oh oh. Sérieux? Sérieux. Sérieux, sérieux. Sérieux, Sam. Alors, beau gosse, qu'est-ce que tu fais ici, les beaux gosses? Hop là. Viens par ici que je te sauve les bagasses. S'il y avait autre chose que de la... Des joyaux que j'aurais peut-être pas dit non pour faire usage d'une corde, mais non. Mais non, mais non. Quelle bombe cette blonde. J'aurais dit la rousse, mais on va me prendre pour un taré. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de rousse. C'est rigolo qu'ils mettent des... Mais non. Je sais pas, ils ont gardé le thème de la blonde pour rigoler. Soit... Donc je rappelle, ça peut être un mec, une femme... Ou un clébard, un pitbull, je sais pas, un bulldog, je sais pas quoi. Oh, Momoka! Adorable! Bonjour, Momoka, et merci pour le relais de chaîne. Oh là là. Faudra qu'on t'en fasse en retour prochainement. On a failli t'en faire un ce midi avec Petit Sep, pour tout avouer. Mais t'avais raccroché avant, Momoka. Mais merci, et puis j'espère que ton expérience Twitch se passe toujours aussi bien. Mais c'est marrant comme ça marque les premières fois, du moins Twitch. tu sais, Momoka, je me rappelle du premier jeu sur lequel je t'ai vu faire Mumuse, qui était la grand-mère avec les cendres, là, les urnes de mortuaire. C'est idiot, mais ça va me marquer toute ma vie, ça.
Non, allez, pour une jarre, je peux prendre de risque. Attendez, excusez-moi, je me concentre dans le... Oh merde! Il y a la clé de luxe en haut. C'est trop tentant. Merde. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Attendez. Il y a la blonde, mais il y a des pics partout. Ouais, c'est juste comme il faut. Ça Ah! Saleté de cochonnerie de saleté, elle m'a eu. Moi, je suis fait mal par la araignée de la moelleté. Je peux aller par là. Le coffre à déverrouiller est où? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il est où? Non! Non! Pardon, je suis désolé, le chien. Surtout qu'elle est hyper lourde, cette clé. J'y peux rien, je suis navré, mais... Oh, prions pour qu'il n'y ait pas de pic. Ouais, ça va. Ah, bah non! Oh, merde. Attendez, j'ai fait des trucs que je voulais pas faire, là. Tiens, mange. Non, j'ai fait des... conneries! Merci. Heureusement que j'ai plein de bombes. Oh non, il y a un sadomaso. Bah tiens, récupère la clé, le sadomaso. Tiens, mange. Oh. Allez, va mourir. Merde. Mais il va mourir, lui. Tiens, réveille-toi et mange-toi à l'urne. Allez, Vlan. Je crois qu'il est mort, là. Oh merde. Bah tiens, il va me servir de projectile, cet idiot. Maintenant qu'il a complètement perdu... Oh non! Oh, quelle horreur! Regardez la blonde! La blonde est damnée! Et moi, je suis dans un merdier, vous avez pas idée. Bon, bah, je crois qu'on oublie la clé avec... Encore que non, la clé est trop précieuse. Ah! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vite le fantôme. C'est merde. Merde. Merde, 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 merde. Reviens à la vie, reviens à la vie. Reviens à la... Wouh! Merde. Ah! Ah, la sortie était toute proche. Death's Door, la porte de la mort. C'était ça le jeu. Que je ne connais pas d'ailleurs, Momoka, je te l'avoue. Merci pour la référence culturelle. Ah, alors que je suis accueilli par une chauve-souris, mais en dessous il y a deux caisses, de matos. Ah, des bombes, encore des bombes. Ah, et la décor. C'est beau, c'est équilibré. C'est rare de démarrer avec un cadeau. C'est de l'aléatoire, hein, évidemment, vous l'aurez deviné. Mais l'aléatoire, elle est gentille aujourd'hui. Par rapport aux vacheries des séances précédentes. J'espère qu'il n'y a pas de bombe là-dedans, là, parce que je vois rien. Il y a... Remarque, je pourrais faire péter une bombe, mais... Attends, non, je vais passer par là, je vais passer par le dessous. Merde. Je pensais descendre là où il y avait l'émeraude. C'est une configuration intéressante. Je profite que j'ai des bombes. Alors... Oh, ça ne se refuse pas, un joyau. Un joyau, une diadème. Et toi, va mourir. Il a une chauve-souris. Ah, ah non, je peux pas remonter. Merde, 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 attention, danger. J'ai pas vu la blonde. Là, j'ai rien du tout à part un serpent qui... Merde, Doom. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais arrêtez de me harceler sous Twitch, bande de canailloux. Vous avez fait apparaître ma barre des tâches Windows avec vos âneries. Hein, bande de chenapans déchaînés. C'est pas comme si je vous adorais. Ah là là. Hop. Merde, je vais me faire piquer le cul. Non, ça va. Ah! J'ai voulu la tenter, mais ça, ouais, c'était pas valable.
Je me suis fait... Je me suis fait déboîter. C'est troublant comme configuration. Bon, quel est le vilain qui... Attendez, j'attends la transition de niveau là parce que... Oh merde. Puis évidemment, il va arriver du mauvais côté. Bah oui, forcément, sinon c'est pas drôle. Mais bah il m'a tué. Allez, hop. Quel est le chenapan qui m'a... Edge, canaillou. Bouh. Non mais t'as fini, oui. Bleh. Tiens, face palm. Bien fait. Na. Oui, alors on reprend. Ah. Oui. C'est comme ça qu'on fait. Ah si, attendez. Il y a un coffre au-dessus avec une araignée, mais... Oh, je sacrifie une corde pour ça, moi. Ah! Mais qu'est con! Mais... Non, mais elle va me buter, elle, toute seule, l'araignée. Elle m'a bouffé 3 cœurs, elle, toute seule. Eh ben, écoute, cher, le coffre, je vous le dis, moi. Je vais pas aller loin, là. J'ai très mal commencé ma partie. Ah, merde, Doom! Nul, le mec, nul. Aïe! Non, tant pis. J'aurais tenté de sauter à l'autre bout, mais non. Le jeu, il dit non. Le jeu, il dit non. Oh, lancer de blond, c'est moche. J'ai le droit de lui faire 3 fois, après il meurt. Il y a trop de boches sur le crâne, ça lui fait trop bobo. Oula, il descend où, le bon dîner, là? Ah bah, bravo. Si toutes les évacuations de bon dîner pouvaient se faire de la sorte. Le rêve. J'ai le rêve. Oh, j'ai une caisse de boum. Ah merde. Oui, l'araignée. Magnifique. J'étais diabolique. Ah, des ch'tis codes. Non. Magnifique. Oh, j'ai eu un instant frisson. Oh là, là j'ai un instant gain de caisse de matos. Mais il y a un serpent qui me les brise. Oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est merveilleux. Par là, la caisse, par là. Alors, c'était quoi? Oui, mes sacro-saintes bamba. Bon, écoute, j'ai du temps avant que le... J'allais dire le serpent. Avant que le fantôme soit là, hein, je m'en mets plein les fouilles. Allez, ah merde, c'est la pauvreté ici. Bon bah voilà, le serpent est... Le serpent. Décidément, je veux du serpent. Le fantôme vient d'arriver. Je me barre, j'ai mon bisou. Yes! Eh bah dis donc. Vous remarquerez qu'on n'a toujours pas vu la jungle pour aujourd'hui. Ce qui n'est pas bon signe par rapport à ma... à mes performances, là. 2 de 4. Au niveau des mini classiques avant de rejoindre la jungle. Achetez le pas de Wambo. Faudrait que je te fouette plus souvent, vilain serpent. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que cette config de mort? Oh, mais en plus, je me voyais pas prendre des dégâts. Je la voyais pas aussi haute là. Ah merde, ils vendent des bombes. Ah mais non, mais je pourrais pas remonter, moi, si. Ah bah, j'ai une bonne corde. J'ai une bonne corde. Bon bah, ça va, je suis satisfait. Par contre... Ah! Ouais, mais il y a du matos. Ça se refuse pas, le matos. Ça se refuse pas, le matos. Vas-y, matos. Bah voilà, des cordes pour des cordes, pourquoi pas. Attends, en dessous, il y a quoi? Il y a, je sais pas, donc on n'y va pas. Ah, la blonde est là. La blonde, la blonde est là. La la la, la la la, la 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 la. Hop là.
Merde. Encore des cordes. Bon, pour le coup, j'ai un inventaire plutôt équilibré. Ah, intéressant. Ma sortie en dessous. Donc, hop, il va pouvoir y aller. Pousser l'exploration vaut le coup. Ces pics qui me rendent nerveux. Ouais, fais péter. Je préfère faire péter une bombe, vu la tunasse derrière, que de prendre une corde. Mais c'est dommage que je l'ai pas pris par le dessus. Oh, je vais narguer le fantôme. Je te nargue. Et je m'enfuis. Je te nargue et je m'enfuis. Chibidi, bidi, bidi. Ah. L'urne va m'être précieuse. Ah merde. Merci. Pas merci, toi. Ou vache. Oh là là, ça craint du boudin. J'ai libéré le monstre. Non, il y a une araignée de... Oh, juste pour le score. Hop là. Allez, j'ai osé. Lui, il va me dire qu'il y a un marchand en contrebas. Villain bait. Sauf que je vois pas de marchand. Je suis pas certain qu'il y a un marchand ici. Oh, les saletés. Ah ouais, ça donne envie de pousser la caisse sur le... Ah oui, mais non. Là, ça va faire un gros boom, là. Là, je vais mourir, là. Ouais, ça va pas. Bon, tant pis. Au moins, j'aurais essayé, mais c'est pas valable. Tant pis. C'est quoi cette musique? Ça doit être la musique du tout premier jeu, je pense. Oh bah non. La punition de se coltiner une chauve-souris, non. Tiens, attrape. Oh bah ça marche même pas. Bah bravo. C'est la misère. C'est la misère. Oula. Faut pas que je me fasse assommer par mon propre caillou. Je peux aller là. Alors, tous les morts restent bien morts. Ça m'arrange. Là, il y a quelque chose ou... Ah oui, il y a un petit lingot de... Non, ça vaut pas le coup. Hein. Parce qu'aller chercher derrière la toile... Vu comment que ça ralentit, c'est... c'est honteux. Je vois les choses honteuses. Je vais prendre un caillou honteux aussi. Ah bah tiens. Je m'attendais pas à un si bon résultat. Le caillou honteux, il va aller là, le caillou honteux. Voilà. Et hop là. Oui. Très bien. Très très bien. La bonde est là. Allez hop, bombe. Comment ce sera fait? Attends, est-ce que j'ai de la... Ah! Merde, je me suis fait croquer par la chauve-souris, je l'ai pas vu. Il y a des choses. Il y a des choses qui se récoltent. Qui... C'est drôle. Ce que je viens de voir est très agréable. Il y a quoi en bas? Moi. C'est pas... C'est assez désertique comme mine, je trouve. Sur ce coup-là, c'est pas...
C'est pas vrai. Attends là, la blonde, je t'ai vu. Oh, comment je suis passé au-dessus du squelette. C'était pas ce que je voulais faire, mais comment je l'ai snobé. C'était rigolo. Oh, ne jamais aborder les chauves-souris en diagonale, jamais. Oh non, mais il est déjà là l'autre. Non. Allez, pour le score. Oh, je suis trop fier. J'ai zigouillé un squelette en plus. Oh, 17 000. Vache. Le cache du siècle. Alors, qu'est-ce qu'il fout sur l'hôtel de Caliste, t'abruti, là? N'importe quoi. Oh, je sais plus ce que je vois. Wopopo! Qu'est-ce que c'est de cette confite de mort? Merde. Alors là, ça fait pas du tout mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Attends. Attends, et en bas c'est quoi? Oh, ça va. Tiens, attrape. Oh merde. Je suis allé au-dessus de l'araignée. N'importe quoi. Oula, ça rigole. Oui, ça déconne zéro aussi. Ah, ils vendent des vêtements. Genre, j'en ai rien à péter. Oui, j'en ai rien à péter de ce qu'ils proposent. De ce qu'ils proposent. Ah, la blonde est là-bas. Oh là, tout lâche. Attendez, monsieur chien blond. J'ai entendu un bruit très bizarre. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de faire un truc chez moi. Peut-être un peu tard pour le faire, tant pis. Vu l'heure. Ouais, j'aurais dû y penser lors de ma pause déjeuner, tant pis, c'est pas grave. Pourquoi je fais ça? Je sais même plus pourquoi je fais péter la bombe. C'est voilà, j'ai perdu une bombe pour ça. Et c'est scandaleux. Oh, merci. Au moins que j'ai le gain du... Hein, de l'araignée qui a été cuite par mes soins. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'usage de la bombe. C'était totalement gratuit. Oula, oula, il y a la blonde, il y a un jeu de boom qui fait raboom un peu plus loin. Oh, il y a la clé pour le coffre et l'artefact de Kali. Attends, la loterie de Kevin, c'est combien? Allez, on la tente une fois. Allez, les rues de la fortune. Aujourd'hui, ce sera... caca. Ah, le cadeau, c'était la machette à coco de Dundee, là. Le canif à... Non, hey. L'œil de Cali qui m'est offert. Hallucinant. Je rappelle que c'est un artefact, un outil indispensable à la bonne fin. Mais comment veux-tu que... Mais oui, mais c'est impossible. Et l'autre, il est mort? Putain, c'est génial. Attends. Je comprends pas, là. Merde. Ah oui, il a déclenché le truc, on est d'accord. Je refusais d'y croire, mais oui. Oh, je vais me venger pour tous les coups que m'ont fait les sadomasochistes. Lui, je vais l'embarquer, il va me servir de projectile tout au bout du niveau. Alors, la blonde, tu vas pouvoir continuer tes aventures, je crois. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, dit Edgem, et je vais... Un anniversaire ce soir, t'es sérieux? Ah,
tu cumules les anniversaires. Bah, joyeux anniversaire à toi, mon cher Edgey. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu le cadeau. Mais oui, c'est vrai. Joyeux anniversaire, Edgey. Oh, je suis honteux d'avoir oublié de te le souhaiter de vive voix dans Starbound ce matin, mais c'est vrai. Voilà pourquoi tu as eu le cadeau, c'était ton anniversaire. C'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Enfin, je pense que tu connais la chanson. Oui, oh oui, oui, joli, cette combinaison magnifique. Ah là là, sacré Edgey. Eh oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que tu participeras pas à ma vocale ce soir pour les bibis. Tant pis, c'est pas grave. Parce que... Moi, je t'enquiquine pas avec ça aujourd'hui, mais... Je te cache pas que j'avais envie de te... Savoir comment s'était passée ta journée d'appel à la Défense. Et... Mais c'est pas grave, on aura toute la vie pour en parler une fois. Un jour. Mais ouais... Mais c'est bien, c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Profite, profite, mon cher Edgey. Ah là 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 là. Ah. Oh, il a pas l'air débile, le cobra, là. Attendez. Attendez, attendez, parce que là-bas, il y a quoi? J'arrive pas à voir plus, merde. En bas, il y a quoi, là? Ah, je peux y aller en dessous. Bon, au pire, je repasserai par au-dessus. Je dis bien au pire. Il y a une... Je peux semer le chaos, ça m'intéresse. Non! Je l'ai lopé. Ah, ben, il y a un marchand. Oh oui! Oui! Les cordes aussi, allez hop. On a du fric, c'est pour que ce soit dépensé. Ouais. Oh la vache. Allez, je vais être très vilain. Je vais déclencher la colère de Kali, mais... Parce que c'est trop tentant. Trop tard. Ah! L'anniversaire que je vais, c'est une amie qui est née le même jour que moi, à un an près. Oh putain, c'est énorme ça. C'est fou ça. Ah mais c'est bien, profite bien. T'as bien raison. C'est fou ça. Ah! Je rigole en me disant, mais qui je connais qui est né le même jour que moi? Pas la même année, hein. Mais en fait, certains d'entre vous le connaissent. Je ne donnerai que ses initiales qui répondaient aux lettres F et G. Il était né le même jour que moi. Oui, oui. Oui, oui. Je pense que tu le connais aussi, Edgey Club. Voilà, on ne le voit plus depuis un certain temps. Ah, soupir, les hasards de la vie, que voulez-vous? Oh merde, Oum. Ah, les chauves-souris, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Oh non, c'est tellement tentant de... Mais je pourrais pas. Mais non, mais... Je m'attendais pas à un tel rebond de bombe. Oh, j'aurais dû, voilà, déposer simplement, puis basta. Allez, gros boom. Eh oui, oui, c'est ça. Exactement, Edgey. Et merde. Non, mais je vais crever comme un caca, là. C'est ma dernière vie. Je fais de la mouise. Puissance 1000. Ah oui, il faut que je m'en fouille avec la blonde, il faut que je récupère de la vie. De la vie à l'infini.
Alors, je connais la marque de télévision LG, oui, qui est coréen d'ailleurs, mais ça s'arrête là. Oui, bah d'ailleurs, le chat que je lis est justement un téléviseur de la marque LG. C'est avec cette marque-là que... Pour tout vous avouer, mon écran secondaire pour le chat, c'est un LG. Et mon principal, qui est la grosse dalle graphique, c'est un Turc, c'est un Keylive. Keylive, je sais pas comment on dit. Waouh, c'est trop tentant d'aller dans la fosse au serpent avec les caisses de matos. J'ai beaucoup trop de tentations. Oh oui, ah, j'ai failli décrocher, merde. Faut pas dévisser. Oui, magnifique. Non, j'ai merdé. Ah. Attends. Ah bah. Génial. Ah, ça me fait suer de pas avoir la... Même la caisse là-bas qui est à l'autre bout, je devrais la... Je vais pas faire péter 5 bombes pour... Enfin non, pas 5. Je vais pas en faire péter 2 pour... là par contre... Faut pas oublier qu'en fond, il y a des petits herbins. Alors attends, je bang et bang. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Par contre, la blonde là, je l'ai dans le... Alors je peux me barrer, mais je l'ai même pas entendu, la blonde. Ah si, je l'entends, elle est là-haut. Oh non, mais non, mais non, mais c'est impossible. Attention. Ouais, parce qu'il y a des gravats qui retombent. Non, mais le fantôme va arriver, c'est pas possible. Encore que... Ah, il y a encore une caisse de matos. Elle est où, la blonde? Elle est où? J'ai gagné. Mais elle est où, la blonde? Je l'ai entendu. C'est un chien, on l'entend faire. Ne me dis pas qu'elle est tout en haut. Oh, elle est tout en haut, la blondasse. Allez, viens. Allez, venez pas, Milord. Daddy, daddy, daddy. Non. Non. Non, les fantômes de la moelle. Il me hante, il m'a retrouvé. C'est la non-moelle. Je m'en fous. J'ai gagné. Toutes mes télés sont des Samsung. 4. Ça va, tranquille. En fait, AJ, quand il rentre dans sa chambre, il a un mur d'écran. Ah là 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 là. C'est beau le confort, c'est beau, c'est bien. Rah. La tentation de semer le boxon. Attendez. Évidemment, j'y vais au mauvais moment. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Merci. Oulala. Colère de marchand ou colère de marchand? S'il y a ça, c'est qu'il y a forcément un marchand, non? En même temps, il a pas l'air d'être très proche. Allez, hop. Ah ah ah! La 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 la! Vas-y, démolis tout. Réaménage le niveau comme j'aime. Merde, il y a un scorpion de mes deux. Oh, puis c'est pas par là qu'il faut aller, ça craint. Faut que je fasse gaffe parce que les bombes, j'en ai pas 50. Tiens, mange. Oh merde. Oh oh. J'ai une petite souci de la vie. Ah, de la chauve-souris surtout. Oh, j'ai cru voir une blonde. Merde, c'est quoi cette configuration de mort?
Attends, là je panique là parce que... Merde, c'était ma dernière bombe. Ah, bien joué. Oh non! La blonde qui est emmurée! Non mais arrêtez! Faut arrêter le délire là. Faut arrêter le délire. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Cette configuration de mort, c'est une honte. C'est une honte. Dommage, j'aurais pu avoir le réflexe d'aller dans la... Ah si j'y vais, je m'en fous, j'ai 11 cordes. Allez hop. Des bombes. Un boomerang. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un boomerang? Oh là 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 là. 4 dispersés dans la maison. Oui, tu me rassures. Mais c'est beau le confort. Même moi de mon vivant, dans la maison familiale, je me souvenais pas avoir autant d'écrans. J'ai dû avoir 2 télés à un moment donné, mais pas plus. 4. Quelle époque quand même. Quelle époque. C'est limite si on se met pas des écrans de télé dans les, hein, dans la salle du trône. Franchement. C'est là où tu vas me dire, justement, il y en a une chez moi. C'est la 4e. C'est trop drôle. Bon, il vend quoi le marchand? Il fait du trafic d'esclaves. Aïe! Aïe aïe! Multifight! Aïe aïe! On y avait pensé pour la blague. Excellent. Non, mais non, mais j'ai l'araignée sur le truc de mes deux là. Non, mais c'est. Putain, mais comment je la gère? Allez, mange-toi ça. Non! Non, non, vilaine. Oh merde, elle m'a buté. Oh, elle est morte! Oh! Vengeance! Égalité! Ding ding ding! Incroyable ce duel. Je sais pas pourquoi, mais pour une jarre, je veux pas. Je veux pas. Je ne veux pas, je m'y refuse. Ah! Je peux le faire. Merde. Oh merde. Merci. Voilà. Alors, la suite. Attends, je vais aller là où il y a les diadèmes. Les joyaux, les diadèmes. Les diadèmes de la moelleté. Trop tardi. Alors, justement, j'ai une télé dans mes toilettes avec console et haut-parleur. Non, tu vannes. Tu vannes, Torota. Tu bluffes. T'es pas allé jusque-là, quand même. C'est pas possible. Je peine à te croire, Torota. Incroyable. C'est incredible. Oh, c'est honteux. Le jeu devrait... Tout ça pour rien en plus. Il n'y a rien au bout des enfers. C'est bien évidemment une blague. Bon. Non mais je... Hein, je suis prêt à croire à tout malheureusement. Mon expérience de vie fait que... Bon bref. Je suis prêt à croire. Non, j'ai perdu mon caillou. Oh, erreur stratégique, c'est pas bien. Il faut pas perdre le caillou de la moitié. Oh non! Je suis obligé de sauter pour passer les pics! Oh! Je dois sacrifier une bombe pour éviter de mourir. Et puis l'autre clampin qui est resté. Hein, bon. Bon, au moins j'ai la sortie. Bon, bah alors je me barre parce que vu la configuration des lieux. Oh là là! Ce premier niveau là aussi est trop bizarre. Bon. Alors, attends, c'est quoi? C'est un hôtel sacrificiel ou non? Il y avait encore Power Flame et le boxon. Alors en général, ça se retourne contre moi, mais je n'y résiste pas. Le boxon de la muerte. C'est par là. Le boxon de la muerte. Ah, oh, puis elle, j'ai tellement envie qu'elle crève. Je vais la provoquer. Oh.
Ah, attends, le marchand, il y avait des bombes. Non, il n'y a pas de bombes. Hein. Il peut crever. Je vais semer le désordre et le chaos. Allez mourir. Hein, l'araignée, tu vas mourir. Si, tu vas mourir. Ah, non, elle va peut-être pas mourir. C'est peut-être elle qui va venir me bouffer. Au secours! Il y a une araignée géante qui veut me bouffer le cul. Au secours! Ah, les petites aussi. Non, je suis cerné. Ah! Villain beat. Villain beat. Villain beat. Ah, va-t'en, toi. Va-t'en. Allez, duel contre araignée. Allez, mange. Ah! J'aurais dû balancer une bombe. Ah, j'aurais dû être plus hardi. Oh, cette intro en toute violence, comme seul Spen Lucky sait les faire. J'ai que ça. Oh, c'est une honte. Mais je veux avoir la jarre, moi, monsieur. Mais alors? Oh, tu peux pas me faire un retourné accroché acrobatique comme Lara Croft? Merci. Lara Croft qu'on finira par retrouver un jour sur mon antenne, d'ailleurs. Je vous rappelle que je suis perdu au 4ème opus en Égypte. Il faut absolument que je regarde les vidéos de Murloc et Vieux Jeu pour me déverrouiller. Enfin, me déverrouiller. Me solutionner mon... En espérant que je suis pas dans une combinaison de la... Enfin, vous me direz, j'ai plusieurs sauvegardes, donc tant mieux. Mais... Et puis tout ça pour rien. Ah non, va mourir le serpent. Je dis non, 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 non. Oh, puis va mourir la chauve-souris. Voilà. Non ! Je voulais pas être debout. Oh bah tiens, je vais passer par là du coup. Je voulais être assis pour poser la bombe. Attendez, avant de sauver la bombe, c'est quoi ça ? Ouh là là, il y a tellement de choses. Je suis fou. Non, ça va. Je crois que j'ai tué un serpent qui était... Ah oui, trois bombes, ça c'est bon. J'ai... Ah ! Et merde. Attendez, si je fais pas l'idiot, je peux ne pas utiliser de corde. Faut réussir... Voilà ! Que je réussisse mon saut de la muerte, là, de mes deux. Merci. Allez, la bombe, tu me suis, et on se barre. Ne me demande pas où, je sais pas, mais on se barre. Non, rejoins-moi, malheureuse. Ah ! C'est chaud. Ouais. Bon bah... C'est le niveau de la pauvreté. Hein. J'ai même snobé, vous aurez vu en haut à droite, à gauche de l'écran, un petit lingot d'or. Voilà. Ouais. Allez, je balance les jarres, je casse tout. Marchand qui vend le propulseur alors que tu peux pas l'avoir maintenant. Et il vend un... tout ce qu'il vend, c'est parfait. C'est que du matos qui me plaît. Non, évidemment, il est là quand j'ai pas de thunes. Évidemment. Évidemment. Je l'ai dans les dents. C'est dégoûtant. Vilain marchand. Ça résume assez bien mon état d'esprit là. Ah merdoum. Merdoum. Allez, puis tu me mettras une corde là, allez hop. Parce que j'en reviendrai. Et je me vengerai. Je me vengerai je sais pas comment parce que. Attention l'araignée. Ah, merde. Et voilà, c'est sûr. Ah mais. Ah! Cette configuration à la muerte! Je dis no! Oh, c'est la misère! Ouais, bah, je t'en mettrai des joyaux, moi. Merdoum! Évidemment qu'il y avait un serpent dedans! Mais oui, mais sinon, c'est pas drôle! Bonjour Ronnie, comment ça va? Alors que je m'agace bêtement pour rien en fait.
Bon, je vais m'acheter la pioche, et puis en piochant tellement bien, je vais me faire de la thune pour acheter des bombes, non? La pioche! Ouais! Je veux la pioche! La pioche! Je peux tracher tout droit avec la pioche! Je suis devenu tout fou! Je traîne trop longtemps dans le niveau, là. Le fantôme de la moitié va arriver, je connais même pas où il est arrivé, je vais crever. Je dis non, 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 non. Non, oui. Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Oui, non, oui. Il va mourir. Non! Non! Voilà, merci. La blonde est là. La blonde est là. Et merde, le fantôme est évidemment déjà là. Non, fais crever le pic. Merci. Fais crever l'araignée. Je vais crever. Ah merde! Non, je suis du mauvais côté du... Haha! Je suis du mauvais côté de la muerte. Vite, qui va m'emporter? Vilaine chauve-souris de la... Ah! Ah! Ça va pas. Le niveau était contre moi. Ça va, Ronnie? Attends, je lis. Ça va, c'est cool. Bon, moi, ça va bien. Je suis tout fou. Ah, dira-t-on. Je suis tout fou déchaîné dans les jeux. Hello. Oh, putain, je suis tombé un caillou et... Bam. Laisse-moi faire tomber le caillou. Ça va faire boum. Merde, j'ai peur de ce que je vais déclencher. Voilà, boum. Chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom, bom bom. Merde, merci. Mais je suis content pour EJ et sa soirée des anniversaires. C'est sympa, ça fait des beaux souvenirs en plus de vie. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Oula. Je sais pas. Non, je pense qu'elle est là avec une bonne. Oui, c'est ma vie, il y avait la bombe. Tu m'étonnes que c'est la bonne soluce. Attention, j'ai pas 50 bombes et la sortie est là. Alors, avec un peu de chance, attention au caillou qui va chuter. Voilà. Attends, la blonde, la blonde, la blonde. La blonde, la blonde, la blonde, la blonde. Je gère mal mon truc, mais tant pis. Donc hop, la bombe, tu vas là. Non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Il n'y a plus rien d'intéressant, j'ai plus de bombes. Je n'aime pas ne pas avoir de bombes. J'aime les bombes. Pas GG, comme tu dis, exactement. Ce n'est pas un bon jeu que je viens de vous faire, je suis navré. C'est une contre-performance. C'est vrai en plus. C'est triste. C'est ça qui est triste. Oh non! Le niveau de l'aveuglement et de l'électroménager. Attends, il a des. Il a des bombes. J'appelle ça de l'électroménager. Ça y est, vous m'avez perdu. La boussole est stratégiquement très intéressante pour savoir où est la sortie. J'ai surtout bien réfléchi dans le jeu. Oui, c'est bien. Encore un jeu d'énigmes. Pour découvrir l'énigme. Ah, ça fait tellement de tunas que je vais mettre une bombe là, non? Allez, je suis fou. Je suis vraiment pas raisonnable, parce que j'en ai pas beaucoup. Viens ici, le... Viens ici, le... Merci. C'est pas comme si un scarabée valait une fortune, hein, 5 000 $ pièce. Mèche mort. Non, par contre, si je passe par là, c'est intéressant. Donnez-moi des bombes. Donnez-moi des bombes.
Merde, j'ai fait tomber ma torche. Alors ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Heureusement que je la récupère. Non. Merde, évidemment lui. Prends vite, abruti. Attends, au-dessus, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Oh non, c'est dégueulasse. Oh, c'est archi dégueulasse. Eh ben, je l'ai super bien joué. Parce que entre la flèche, le... Ah! Scouchonnerie de chauve-souris de mes deux. Eh ben, je suis content d'avoir passé le niveau, dis donc. Oh la vache, c'était que le deuxième... Oh là là, c'est honteux. Je suis heureux de m'en être mis plein les fouilles. J'espère qu'il va y avoir un marchand avec une boîte de 12 bombes là, parce que... Il faut que je me refasse. Merdoum. Alors attends, en bas, il y a quoi? Putain, mais j'ai plus de bombes. J'ai plus de bombes. Oula, qu'est-ce qui a pété? Quelle horreur. Il y a eu une explosion. Une explosion de couleur. Oula. Ah, la bombe est là. Et je n'ai plus de bombe. Je suis dans la... Oula. Hop, 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 hop. J'ai failli me louper. J'ai failli me louper quelque chose de bien. Tunache. Bon, on voit où est la sortie. La bombe, elle est mal barrée. Hop là, tiens, attrape. Oh. Ah merde. Putain, je l'ai vu au dernier moment. Merdoum. Alors attends. Ouh, elle va faire suer, je me barre parce que... Ouais. Je suis en survie, j'ai de la thune, mais j'ai pas de bombe. On fait comment, chef? J'ai la chair de poule. J'ai le niveau d'une araignée. Il y en a tellement que je sais même pas comment je vais les gérer. Ah, il vend 14 milliards de bombes. Je les veux. J'achète vos 14 milliards de bombes, s'il vous plaît, monsieur le terroriste. Oui. 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 Je les veux toutes. Ah, je me sens mieux. 18 bombes. Alors, attendez, attendez, attendez. Il y a des choses à faire ici. Des choses à faire peu singulières. Oh là là. Je peux me barrer, mais j'ai le coffre du bordel de Kali. Évidemment. Les araignées de mes deux qui vont pas m'aider. Oh, magnifique. Je l'ai eu de manière inespérée. La caisse fait suer d'explosifs. Oui, alors toi, t'as pas l'air débile, ma grande. T'as pas l'air débile du tout. Pourquoi j'ai pas vu la blonde? Merde! J'aime pas du tout le placement de l'araignée. Oh, joli! Oh, ce strike magnifique! Non, puis là, je vais mourir si je me fais mordre. Merde! Je fais comment? Non, mais non. Ok. Voilà. Putain, la vache. Non, il y en a une autre. Non. Oh là là. Merci. Oh non. Mais non, mais... Mais vous êtes des gros maboules. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oui. La jungle. J'ai sauvé mon honneur. Quand j'atteins la jungle, mon honneur est sauf. J'ai surtout bien réfléchi dans le jeu d'ironie en répondant à Christella.
Oui, de Les âmes tourmentées, là, vous parlez de Tormented Soul. Je le dis très mal en anglais. Tormented Soul. Des bombes, mais pas de thunes. Et puis c'est hors de prix, je présume, ces bombes à lui. C'est 12 000. 13 000! Oh, l'inflation est passée par là! Mais bien sûr, monsieur l'escroc! Merde! 13 000 paquets de 12 bombes, là, ça douille un peu. Non, monsieur Garth! Vous devriez avoir honte, monsieur Garth! Il faut aussi dans les téléphones. C'est Garthic Phone. Non, je dis n'importe quoi. Et dans le coloriage. Oh, mais non, mais regardez, pour descendre, je joue à mourir là. Mais non, mais non, mais non. Bon, bah, si je pose une bombe, c'est un attentat, il va me buter, donc ça sert à rien. Mais non, mais vous êtes. Oh. Mais non, mais c'est la mort. J'ai le choix entre la mort ou la mort. C'est une honte. À moins que. Est-ce que je peux mettre une corde comme ça? Oui. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh non. Non. Non, 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 non. Oh là là. Ah, attends, je peux me barrer. Au revoir. Oh, je suis un peu inigo parce que j'aurais pu prendre les lingots. Mais je les ai tellement là que. Ciao les gars, vous m'avez pas vu. Alors, les morts sont sans repos. Non! Non, c'est le niveau à Michael Jackson. Thriller, 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 thriller. Je dis n'importe quoi. Ah! Ah oui, il y a un truc avec la tombe où c'est marqué cendre, Aish. Il y a un truc. La vache. Je sais plus c'est quoi. Il y a un truc avec la tombe où c'est marqué cendre. Il y a un fusil. Faites-moi les malins, hein. Je suis devenu un homme dangereux. Venez que je vous défonce. Mais oui, les morts sans son repos. Eh ben avec moi, ils sont pas sans chevrotine, là où je pense. Merde, il m'a buté. Non! C'est horrible! C'est horrible! Ah! Oh non, puis j'ai le droit à une horrible araignée. C'est abusé. Bon, allez, je vais aller là où il y a des douceurs. Hein. Où il y a du matos! À moi le matos! Le matos des diablos! Ba-da-da-da-da. Ah merde, je fouette le sac de bombes. Le mec il est barge. Alors attends. Oh, standouille, elle s'est empalée. Bien fait pour sa gueule. Ah! Ah! C'est tellement tentant. C'est tellement tentant que je mette une bombe. Jarusé. Ah, si ces imbéciles pouvaient se rendre dans le. Alors, je suis désolé, la blonde, mais tu vas. Non, tu vas pas te sacrifier. Tu vas descendre tout doucement et je vais fouetter l'araignée derrière toi. Voilà. Tout tendrement. J'ai foutu un coup de fouet là où je pense. Ah. Voyez aux as du yeux. Ah oh oui, c'est comme ça qu'on fait. Non, c'est la chauve-souris de la muerte qui est parvenue à mordre. Je suis pas content. Elle aurait jamais dû me mordre.
Elle aurait dit jamais, me morde, vilaine araignée. Tu vas crever. Oh merde, il y a du monde ici. Burp. Non! Oh, puis j'ai assommé la blonde au lieu d'assommer mes ennemis. Et je me fais croquer par la chauve-souris. Allez, fais-toi plaisir, l'araignée. Non, je l'ai guaqué. Oh là 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 là. Mais je joue mal. Mais là, devant vos écrans, vous devez me conspuer, là. Comme un pénalty refusé dans un match de foot, je présume, un truc du genre là. Oh. Je me barre, je m'en fous. Je récupère une vie parce que j'ai sauvé le blanc. Alors, Torata dit vers Christella, oui, j'ai été guidé, mais tu as fait le reste, très cher ami. Mm. Mais j'en reviens pas de la réaction chimique du... J'ai mangé de l'eau du robinet avec du concentré multifruit. Et le fait que c'est passé de l'eau plate à eau gazeuse, ça me dépasse. J'ai failli dire que ça me répugne. Non, quand même pas. Ah, on voit la blonde et j'ai pu acheter des marbres. Oh, le marchand est au-dessus du piège. Oh. Ah, oh, c'est tellement... Ah oui. Je ne résiste pas. Non, mais là, c'est obligé. Voilà. Une configuration comme ça, ça me va très bien. Oh, merde, le rocher revient. Ah, j'ai fait me prendre le rocher. Ah. Oh, c'est beau. C'est revenu à ses pieds, dis donc. Tout un symbole. Alors, attendez. Il y a des conneries à faire par ici. Nya. Même l'hôtel sacrificiel de Kali qui est en haut, quoi. Oui, tu réceptionnes le colis. Cher ami. Non, la blonde. De toute façon, tu vas revenir. Merde. Ah, je l'ai oublié, elle, je l'avais pas vue. Merdoum. Je peux la gérer. Tiens, mange ma grosse. Merde. Tiens, mange ma brousse. Oh, fais-moi la méline. Oh, j'espère qu'elle est morte. Dans un fracas. Oui, elle est morte. Oui, je suis victorieux du duel. Ding, ding, ding. Ouais. Ouais. Elle est où, la blonde? Oh, cette nunuche, elle fait de la lévitation dans la toile d'araignée. Non, mais arrête. Reviens. Oh là, doucement. Il y avait peut-être des pics en dessous. On va se calmer. Voilà, tu peux te barrer. Lui, je vais le fouetter. Ça, je vais l'embarquer. Ça aussi, je vais l'embarquer. Oh, c'est limite si je ne remonterais pas chez le commerçant, lui racheter 10 bombes. 12 même. Je suis vraiment tenté. La gourmandisme. Oh. La gourmandise du fric et de la récompense d'avoir tué la grosse araignée. Ah, j'ai la glue de l'amour. Non, allez, je me barre. Je vais pas prendre de risque parce que je suis trop content. Ouais. Là, je l'ai bien joué, là. La vache, 18 000 de thunes. Oh. Joué chiffre. Mais le jeu me fait plaisir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des Jay, pas le mien. Arrêtez. Ah. Vous êtes trop généreux. Oula, attends. La... J'avais cuillère, j'allais dire. La clé en or de... Oula. Oulala. C'est mort pour l'œil de Kali, là. Encore que le coffre est juste en dessous. Ouais, j'ai 26 bombes. Il y a quelque chose à tenter. Il y a quelque chose à tenter. Attends voir. Oh, joli! Ah! J'ai l'intérêt d'avoir des bombes collantes. Ah, vilaine araignée. Elle veut me dévorer. Je l'ai écrasée. Ah oui, non, mais l'œil de Kali, c'est super important. Je veux l'œil de Kali. Et si avec l'artefact j'arrive dans la jungle, bah je pourrais peut-être trouver le marché noir.
Je suis jamais allé au marché noir. Je veux aller au marché. Alors, là, on est dans la mouise. La blonde, elle est où? Elle est dans la mouise. Ah oui! Et je me mets davantage dans la mouise. Allez, touche en cœur. Mouise. Merdoum. Attends, comment je fais, là, sérieusement? Parce que ça craint du boudin. Boum, chakala, chakala, kabo. Alors, la blonde. Non, il faut que je la somme. Ouais, parce qu'il est vraiment méchant. La prise de risque de la muerte. Alors, tu descends par toi-même, ma grande, et je fouette l'araignée après. Voilà. Même là, pour pur sadisme, mériterait que... Voilà. Lui, il est mort, lui, il est mort. Ah, l'œil de Kali me dit que... Ah, j'ai 23 bombes, allez. On rentabilise les bombes. Ah. Ah ouais. Non, par contre, j'ai pas 50 cordes. Merde, dommage. Bon, tant pis. Ouais, je rachète des cordes. Ah, le v'là déjà, l'autre. Le fantôme de la muerte n'est pas en reste. Mais il ne m'emportera pas. Pas cette fois. Alors, j'ai eu la baiseau de la blonde. Et je m'évade joyeusement. Et oh, oh, cette violence entre le cobra et le... Et oh, non mais il est fou lui. Ah, le cobra a démonté le scorpion, qui l'aurait cru. Et toi, tu vas te faire démonter par ma bombe collante. Oh. Alors, gros vilain cobra, viens par ici que je te guaque. Allez. Oh. Alors, c'est quand qu'on va où? En bas m'a l'air d'être une bonne solution. Alors, je sais pas où est la blonde, du coup. Espérons qu'elle soit plus bas, mais je suis sûr de rien. Non, mais là, il y a un concentré de chauve-souris, là, ça va pas, là. Oui, j'ai bien géré les chauves-souris. Et j'ai la chance qui me sourit. Elle était facile, hein. Vous en conviendrez avec moi. Alors attendez. Bonjour madame. Comme dirait le son chez Poupon. Attends, la sortie, elle est là? Vous êtes sérieux les gens? Si vous le dites, moi je suis prêt à vous croire, mais... Ah, je mets trop de temps. Le fantôme va arriver. Oh, je suis désolé. Je me suis servi de la blonde comme une arme, mais... Eh, c'est une arme redoutable, la blonde. Oh non! Oh, cette config de mort! Je vais perdre une vie, je crois. Non, ça va. Ah ben, j'ai du bol. J'aime pas du tout la manière dont les choses se présentent. Alors, descends calmement la blonde. Ouais. Alors, on va y arriver. On va y arriver. On va pas y arriver. On va pas y arriver. On va prier pour hein, y arriver. Ah! J'aurais jamais cru qu'elle allait péter cette nigotte de... Oui! On a réussi! Et retour dans la jungle avec 20 bombes et je sais plus combien de vie et de la thune. Je viens de me refaire 13 000. J'ai combien de vie? Je sais plus. Les morts sont sans repos. J'en ai 4! Eh, je fais pas le con là, je peux faire quelque chose de grandiose. Oh, si je me déverrouille les cavernes de glace, je suis en joie. Et là, j'ai une blonde. Putain, j'ai un piranha mort qui est encore... c'est honteux. Ça ne devrait pas exister. Je me cache. Avec l'œil de Kali, je vais voir où est le marché noir, normalement. Attends, je vais mettre une bombe là, parce que... Ah, merde.
Putain, je me fais de la tunasse, c'est un bonheur. Après, je sais plus. Je sais que c'est des petits fragments comme ça à l'arrière-plan de la pierre concassée. Ou quelque part, il y a l'entrée du marché noir, mais je sais plus comment on le fait avec l'œil de Kali, j'ai déjà oublié. Attends, il faut que je m'accroche à la corde. Ouais. Enfin, la liane. Et je vais où dans ce truc, dans ce traquenard là? Ah. Il y a des choses! Je vois des choses qui font peur! Chaque pas dans la jungle peut être mortel. Oh, il y a le fusil! Mais j'aurai jamais l'occasion de revenir chercher le fusil. Bah non, le truc il est trop... C'est dommage, hein, mais c'est pas grave. On va pas prendre de risques. Oh, si je joue bien, je vais loin. Eh, sérieux, j'essaie de pas faire l'idiot, là, parce que... Il y a les cavernes de glace au bout à déverrouiller, et je suis trop content de les avoir. Comme ça, de temps en temps, je pourrais vous les faire en entraînement. Qu'est-ce que c'est que cette config de la Muerte? Ah, merde. Comment je fais mon affaire, là? Non! Je voulais pas faire de bombe, merde! Je voulais faire une corde, je me suis trompé de touche. La plante carnivore, elle me dit rien qui vaille. Je la sens pas du tout, elle. Merde, je voulais l'assommer, elle a... Ah! On peut pas sauter à pieds joints sur une plante carnivore, elle vous gobe. Je suis un crétin, on peut le dire. Ah! Ah! M'apprendra. Mais de toute façon, hein, comme c'est un crevé à recommencer, à force de faire, je finirai bien par progresser. Un jour, je déverrouillerai les cavernes de glace pour de bon. Mais là, j'avais vraiment une chance de le faire et c'est dommage. J'ai gâché ma chance. J'ai gâché ma chance. Avec des vilains serpents. Oh! Bonjour, madame. J'espère qu'elle va pas se planter, je sais pas où est-ce qu'elle va, mais... Oh merde. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. Ouais, tout ça pour ça. Vous allez voir que la jarre va rien me donner. Enfin, le pot cassé, là. Ah, une araignée! C'est dégueulasse. Une caisse de matos. Allez, j'ai 4 bombes, je peux la tenter. Allez, soyons fous. Évidemment, j'ai mal fait péter ma bombe. Je suis un abruti, mais ça, vous le saviez déjà. Je perds une autre bombe. Allez, dites-moi que c'est des bombes. Oui! J'ai des bombes. J'ai des bombes et je vais passer par là, visiblement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un coffre de mes deux, il y en a même un en bas, mais il ne m'intéresse pas. D'accord, il y a une jarre. Là, il y a un coffre, mais je suis pas sûr de... Ah si, je vais rallier l'arrivée, il n'y avait rien d'autre à l'opposé. Je suis... Oh mon dieu, dans quoi ai-je embarqué la blonde? Ah oui, si, mais non, mais je vais la fouetter en même temps. Je suis désolé. Je ne pouvais pas faire autrement, madame la blonde. Sauvez-vous. Tring. Tring. Oh merde, les araignées. Les araignées. Tout ça pour un serpent, c'est hors de question. On a vu la main du fantôme arriver sur le bord de l'écran. Je dis non. Je dis nope. La la la, la 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 la.
cache de mettre. Oh là là, la double. double flèche. Mais vous êtes fous. Oh oui. Attends, il y a quoi en bas? J'arrive pas à voir. Ah bah, il y a la blonde. Faut que j'y aille. Ça va être largement rentabilisé. Ah oui, des bombes offertes pour la maison. Oh merde, une grosse araignée. Ça par contre c'est moins cool. Est-ce que je suis obligé de me coltiner? Peut-être pas. Peut-être pas. Pourvu qu'il n'y ait pas d'épique pour la blonde. Oh, il y a un marchand. Mais c'est un marchand de fringues. Oui, la chute. Je suis content d'avoir gagné. Ah, le truc est en bas. D'accord. On va y aller, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Je sais pas comment, mais on va y aller. Non, je vais me taper là. J'ai oublié de me taper l'araignée de mes deux. Toi, va mourir. Ouais, toi, parmi les morts. Oh bah, lui aussi. Ah bah, bravo. Est-ce que je peux prendre un caillou qui est gage de survie, enfin, qui est une assurance vie? C'est cool. Je me barre d'ici. Je me barre d'ici. Pas envie de rester, pas envie. Nyon. Oh merde, j'ai loupé mon lancer. Non. Mais non, mais je peux pas mourir de meilleur, c'est stupide. Vous n'avez rien vu. Mais moi j'ai déjà tout oublié. Oh, quelle tristesse. Ah, vilaine bait. La vilaine bait. Attends, qui c'est que cette configuration? Attends, il y a une blonde au bout ou Non, il y a... Ouais, bon. Ça vaut pas le coup. Par contre, si la bombe peut faire tomber l'eau... Ah, ça a déclenché le piège. Tant mieux. C'est tout ce que je voulais. Et là, par... Attends, même plus. Je sais pas ce que je peux faire. C'est pas la fête, hein. Oh, la gauche pépite à 500 dollars. Qu'est-ce qu'elle fait là, la blonde? Oh, la malheureuse. Qu'est-ce qu'il fait là, le blondine mêleux? Ouh là là. Ah non, mais ça fait trop de bombes à utiliser, là, ça va pas. Faut que le jeu m'offre des bombes si sauver la bombe. Oh merde. Et je merde mon saut. Laisse tomber. Attends, mais c'est une mission impossible ton truc. Mais c'est abusé. Ah non, mais je suis désolé, je me barre sans sauver la bombe. Je peux pas. C'est au-dessus de mes moyens là. Attends, je peux faire le coffre. 1400 dollars de bijoux et de... Oups. Et de diadème. Et de diadème. Je sens que je vais regretter cette jarre. Oui. Non. Non. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Ouh. Tout ça pour un rubis. 11 000. Combien le rubis? Oh, pas mal, il valait 2500. Bon bah, sans regret. Sans regret. Là, par contre... c'est la chauve-souris qui va me les briser. Qui va me les briser. Qui... J'ai bien géré. Je suis déjà un miraculé. Oh non! Il y avait la statue sacrificielle au-dessus. J'aurais tellement aimé déclencher le guac. Et la colère des dieux. Tiens.
Tiens, je m'en moque. C'est quoi le marchand en bas? Oh non, son matos m'intéresse pas. Merde, elle va me poser problème, elle. Bouh, Dylan, bouh. Oui, viens, 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 viens. Merde, j'ai loupé. Mange la bombe, mange. Mais non, bandit! Mais c'est l'araignée que je butais, pas toi! Oh l'autre! Oh l'autre, le super sensible! Non mais faut qu'il arrête! C'est l'araignée que je butais, pas toi! Non mais l'autre, eh! Mais il abuse! Il a encore 5 épaisseurs de mur et l'autre il s'excite! Non mais, non mais, non mais c'est nimpe! Allez, je me barre d'ici, c'est une honte! Parce qu'évidemment, il va passer le mot à tous ses collègues dans les étages inférieurs! Du coup, je peux plus approcher un marchand sans me faire fusiller. Oh non, mais c'est abusé. Non, là, franchement, je suis dégoûté. Nope. J'entends la blonde, mais je ne la vois pas. Visiblement, c'était un chien, puisque j'ai entendu. Et d'ailleurs, c'est la question que je me pose. Il est. Non ! Mon caillou revient. Bon, allez. Non, j'abandonne le diadème. Ah ! Alors, attendez. Attendez, parce qu'il y a... Ah merde, j'ai plus de bombes. Non ! Il y a... Oh non, il m'attend au fusil. C'est injuste. Ce jeu est injuste, comme la vie. Ça parle mal. Non. Non, puis il y en a un exprès qui m'attend à la sortie. Non mais faut arrêter la fumette là, les marchands. Mais non, mais oui, non mais... N'importe quoi. Hallucinant. J'ai failli m'assommer avec un propre pierre. Oh, la machette d'entrée de jeu. Qui l'aurait cru? J'ai la machette de... Crocodile d'Indée, vous n'avez déjà que tout oublié. Je suis désespoir. À cette heure-ci, je suis désespoir. Je comprends pourquoi la Providence m'a privé de bière aujourd'hui. Je ne la méritais point. Je joue trop pas bien. Ouais. Ah, c'est tout ce que j'ai déclaré. Bah. Ce coup n'aura servi strictement à rien. Limite si j'ai pas encouragé le fait de me casser la binette. Oula. Ah si. J'étais dubitatif de manière dont je gérais ma bombe, mais maintenant il me reste à gérer la blonde. Dis-moi qu'il n'y a pas de pique. Il n'y a pas de pique. Donc je peux la déposer et la laisser tomber comme une grande. Comme une fleur. Comme une flowers. Attends, ça vaut le coup de pousser ça ou pas? Bof, je suis pas convaincu. Attends, c'est quoi ce trou à rats? Oh, c'est nimpe. Attends, viens ma grande. Il y a la bombe. Quelle prête à faire, Bobo? Vous reconnaissez, c'est Gérard, non Nicky Larson. À défaut d'avoir des boulettes, on va te faire Bobo. Ah! Comment je remonte là-haut? Toing.
Est-ce qu'il y a l'araignée de mes deux, du coup? Allez, hop, terminé. Ah bah, je peux repasser par en bas, je crois. Suis-je bête? Oh non! Oh là 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 là, c'est complètement abusé. Oh! Oh, c'est intéressant. C'est cool, ce qui vient de se produire. Oh, faut que j'aille chercher la nonasse de blonde. Voilà. Pardon, je parle très mal, mais... Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah forcément. Faut vite faire le tour. Allez, mange-toi les fesses! Ah! Le fantôme va nous emporter dans les limbes! Un bisou de blondasse. Ça parle toujours aussi mal. Ouais! M'en fous, 6 mines de Tunas. Allez, zou, la suite. Oh là là, c'est la deuxième partie des mines. À mon avis, après je passe à un autre jeu, je sais pas encore lequel, mais je passe à un autre jeu. Alors attendez. Je serais presque tenté de faire du dessiner, c'est gagné. Je dessine pour vous et vous devinez. C'est longtemps qu'on n'a pas fait un Gartic Show. Ça pourrait être très drôle. Ça me plairait bien, tiens. Je sais pas si la plupart d'entre vous seraient partants. Attendez, j'ai pas le courage de lancer un vote. Merde! Pardon, je m'agace parce que... Attendez... Ah, la clé est là. Ah, bah te v'là, FunFan. Message de FunFan, 1992. Bonjour ou rebonjour l'autre jeu, ce sera avec moi. Oui, c'est bien, ça va être le sanitarium. Parce que je voyais l'heure tourner, je te voyais plus te manifester, je me disais, mais c'est de fou. Je vais enchaîner sur autre chose et finalement, bah, ça tombe bien. Donc c'est mon dernier essai, prépare ton antenne, FunFan. Et on reprend chez toi sur Sanitarium. Ce qui n'empêcherait pas peut-être demain que j'organise du dessin, dessiner c'est gagné. Parce que du coup, ça m'a redonné envie d'en faire. Attendez, je réfléchis. Je pose la bombe là. Je récupère la clé. Donc, de toute façon, ce que propose ici le marchand ne m'intéresse guère. Par contre, l'artefact de la déesse Kali, voilà. Fait que je vois tout à travers les murs. Ah merde! Oh c'est toujours chier comme configuration ça. Oh là là, la fléchette qui t'attend à l'arrivée d'une chute. Oui! Ah mais c'est le festival déjà! Oh merde, la blonde est à côté. Ah oh, j'ai deux bombes. Non, je suis désolé. Je suis désolé. J'aurais plus de bons, j'aurais dit oui, mais là, non. La main malheureuse, elle va rester mourir. Surtout croupir, oui. Oh, niveau spécial arachnide. Merde. Ah! Je veux fouetter la boule sans la toucher. Non, c'est pas grave. Laisse tomber. Oh! Non! Oui! La tentation est trop grande. Attendez, là, il va y avoir un carnage très drôle. Terrible cette araignée. Merde. Ah ah ah. Hop là. Pas mal. Mériterait que je lance une bombe. Hop là. Merde. Dommage. Hop là. Non. Dommage. Allez, repasse par là et je me barre. Hop là. Merde. Tant pis pour le trésor. Tant pis pour le trésor. Elle pourra pas me suivre. Elle pourra pas me suivre. Elles peuvent pas me suivre. Il y a trop de piques. Ah, ah. Oh. Oh. Comment qu'elle est passée, elle? Olé. C'est intéressant comme configuration de la mort. Mais j'ai plus de bombes. Lui, il en vend. Ça m'intéresse.
Mais comment l'atteindre? Oh la vache. J'ai mis mon truc juste au-dessus, je suis deg. Elle, elle va arriver. Attention. Tac, tac, tac. Et hop là. Hop, 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 hop. Faut surtout pas qu'elle rentre et qu'elle excite le chauffeur. Le vendeur. Je dirais pas non à la machette. Bah. Comment ça, voleur? Ah merde! Je m'en suis saisi et je me suis barré avec au lieu de l'acheter. Je me suis trompé de touche. T'es prêt, Fun Fan? Ah, je sais pas si t'es prêt. T'es en train d'œuvrer, je pense. Tu me dis quand t'es prêt, hein, Fun Fan. Je te laisse t'installer. Oui, tu es là, mais est-ce que tu es prêt pour Sanitarium? This is the question. Tiens, je suis content d'avoir mis la jarre dans la tronche du serpent. Je te laisse te préparer. Visiblement, il te faut encore quelques minutes. Pour le Sanitarium. Surtout que là, on était vraiment au milieu du jeu, donc c'est haletant. Ah, ouh, une caisse de matos. Bravo. Merde, il faut que je passe de l'autre côté pour bien faire péter la bombe comme il faut. Et avoir le matos. Hop là, petit lingot à droite, à gauche. Alors, matos. On en a envie. Je te fais l'appel Discord, ok? D'accord, monsieur, j'arrive. Oh, alors que j'ai guaqué une araignée à coup de... Oh merde, j'ai assommé la bombe. Il y a eu des débris de la... Oh, 12 bombes, magnifique. Magnifique, mais je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Attends, je vais descendre par là. Merde. Fait de la mouise. Alors attends, monsieur Fun Fan, où êtes-vous? Où êtes-vous que je vérifie mon Discord? Bah. Bonjour monsieur Fun Fan, on vous entend en direct sur mon antenne. Comment ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Je vais lancer tout de suite. Papa. Ok. Enfin, non, je vois que t'es encore sur le jeu. Bah écoute, je peux m'arrêter maintenant, je pars pessimiste en plus honteusement, mais... Non, puis j'ai une configuration de... Termine-moi le niveau. Oh là là. Je suis pas... Ouais. Mais là, le jeu est cruel, là. Quand ouais. Tu as la configuration... Je reviens tout de suite, un dernier. Ouais, fais donc. Merde, oh, bah, tiens, je voulais récupérer les lingots au-dessus, j'ai merdé mon saut. AJ dit, oh, on a un cadeau de... Ah oui. Non, tu as un nouveau... oui, oh, un nouveau cadeau. Pardon, j'étais mal lu. Oui, je suis du le plaisir, AJ. C'est pas comme c'était ton anniversaire. Oh, c'est des petits jeux de pacotille, mais... c'est des petits jeux qui occupent. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, je me suis servi. Putain, mais... Non, rien de... Oui. Juste mon câble qui est tombé, mon câble wifi de la... D'après, j'étais hors ligne, rien de grave. Ah. Voilà. Ah oui, on entend le bruit de câble à la Windows. Oh. Ah bah c'était bien, Spen Lucky, c'était cool. Alors attends, bouge pas que je te fasse le relais de chaîne, ah, déjà. Ah, fait un cadeau à Edier, il te remercie. Oui, bah oui, 7 octobre, haha. Ah, son anniversaire. Okay. Il a une bougie de plus, eh oui. Voilà pourquoi. Attends voir. Bon, de toute façon, on va bien. Ben, bon anniversaire, Edj, du coup. Mm. Bon, moi, je vais lancer mon stream. Vas-y, que je puisse te... Voilà. Même si je le lance sur les annonces, c'est pas grave. Il y a quelque chose, quoi.
très pratique d'avoir des scènes qui bougent pas. Je dors. Attends que je fasse les choses proprement et que je fasse un relais de chaîne digne de ce nom. Et que je fasse un relais de chaîne digne de ce nom. Voilà, je m'attendais de ce coup, ça fait peur. Hic, pardon. Bon, bah merci à vous toutes et toutes d'avoir regardé. Je reviendrai ce soir vers 21h plutôt, le temps qu'on se fasse bien du sanitarium avec FunFan. 21h, on sera une soirée bibi jusqu'à je sais pas quelle heure. Et puis c'est bien, on sera en vocale ouverte. Tous ceux qui vont venir pour bavarder, hein, la caméra a rendu l'âme. Oh, bah tu sais, c'est pour la fin, c'est pas plus mal. Elle a rendu l'âme au bon moment. Wally Walou, portez-vous bien, bisous, bon week-end à vous. Peut-être à ce soir pour la vocale bibi vers 20h-21h. Et puis sinon, moi je vous dis à demain. Alors demain, attention, j'ai toujours pas mes PlayStation de rebrancher. Je me suis fait avoir. Donc pas de Final Fantasy. Je vais sûrement commencer avec du Far Cry 2 demain matin. Et je ferai à peu près le même programme que dimanche dernier. Sauf que. Est-ce que Nayone va me revenir pour commenter la suite de la promenade demain après-midi? C'est pas sûr, parce que comme il a dû bousculer lui-même son agenda pour se libérer à nouveau lundi, pour qu'on retourne faire la promenade qu'on aurait dû faire ce vendredi, enfin bref, c'est un... Je vous donnerai les détails ce soir au bibi. Allez, bisous, prenez soin de vous, à plus. Je vous vois pas de la journée, alors à très bientôt tout le monde. Oui, profite de tes soirées, AJ, de tes bons moments, t'as raison. T'as bien raison, AJ. Bisous tout plein, à plus. Allez, on file chez FunFan. Go! Sanitarium! Bonjour, FunFan. Je suis déchaîné. Oh. Comment ça va? Sanitarium! Bonjour, FunFan. Je suis déchaîné. Comment ça va? Bienvenue pour ce stream. On va aller au Sanitarium. Bonjour à tous et bien. Je sais que c'est pas le jeu qui vous passionne, mais on va le continuer. J'irai jusqu'au bout. C'est pas pire que Crash Bandicoot 4.